Alors, de base, vu que je fais mon grand oral sur l'écologie, je me suis dit pourquoi pas, vu que j'avais déjà le projet à l'avance, je me suis dit pourquoi pas décider de venir éco-déléguée cette année. Et voilà pourquoi je suis là. Je me suis dit pourquoi pas découvrir un nouveau truc et j'ai découvert beaucoup de choses. Par exemple, je ne savais pas c'était quoi la COP26 et grâce à l'écologie, bah, maintenant je sais. Ça, c'est que j'enlève ? Ouais. Alors là, ce qu'on fait, on désherbe le carré. Un carré pour remettre après de la bonne terre, pour faire du semis à l'intérieur. Et puis après, bah, tout ce qui sera semé va se développer et on pourra replanter dans le jardin. Y a plein de choses, je crois, dans les fleurs qui ont été apportées. Après, des fleurs. Surtout des fleurs pour mettre dans le jardin, pour fleurir le potager, parce que de façon à attirer les voilà, attirer les insectes. Je suis intéressé par tout ce qui est renouvelable et autres moyens de consommation. Et je travaille dans le renouvelable d'ailleurs. Et j'ai un jardin chez moi et je jardine depuis que j'ai 5-6 ans. Et du coup, ça m'a intéressé de faire ça au lycée pour développer un peu des autres modes de consommation que ceux utilisés naturellement, donc les gros champs et tout ça. Ça, c'est un peu de l'agriculture plus durable en soi que ce qui est fait habituellement et c'est ça que j'aime bien. Avec le projet jardin, et bon, il remonte à quelques temps maintenant parce que donc j'étais sur les prémices du jardin quand les premiers élèves ont mis ça en place, de très loin, hein, juste le fait de suivre. Et l'idée est, comme aujourd'hui, de pouvoir valoriser un petit peu ce qui pourra ressortir de jardin sur de la production au niveau du lycée pour mettre en avant ce que font les élèves et puis pouvoir mettre en valeur sur une entrée. Alors on va jamais être sur des volumes où on pourra proposer à l'ensemble des élèves, mais sur une petite entrée ou sur des herbes aromatiques, communiquer autour de ça et pouvoir dire que c'est la production du lycée Millet qui nous aide sur la production de la restauration.